Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 79e Behind the Ring. C'est une interview de légende que nous allons vivre ce soir. C'est un grand moment d'histoire de la boxe anglaise que nous allons vivre ensemble avec l'un des meilleurs boxeurs français, peut-être même le meilleur. Il a marqué toute une époque au courant des années 90. Il nous fait l'honneur ce soir de partager un petit moment avec nous. C'est monsieur Laurent Boudouani, un palmarès impressionnant. C'est vraiment beaucoup d'émotions pour moi et pour tous les amoureux de la boxe qui vraiment sommes passionnés par ça. Il a une carrière incroyable, il a été champion du monde des Super Walter WBA entre 96 et 99, il a également été champion d'Europe des Super Walter. Il a également été médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. C'est un parcours complet, un monument de la boxe que nous accueillons ce soir. Monsieur Laurent Boudouani. Bonsoir Laurent. Bonsoir Benjamin. Comment ça va? Mais écoute, ça va. Voilà. J'attendais ça avec impatience. Et puis voilà, je suis content de te voir. Moi aussi. Et vraiment, c'est un énorme kiff que tu nous fais. Vraiment, c'est un honneur de pouvoir partager avec toi. On est hyper content de te recevoir. Vraiment, je voudrais te remercier pour le temps que tu prends à parler avec des petits passionnés que nous sommes. Vraiment. Ça marche. Alors, on va te laisser la parole, Laurent, comme le veut la règle de l'émission. Et tout d'abord, on va te demander de nous raconter quel a été donc ton premier contact, ta première rencontre avec la boxe. Ta première rencontre. Ma première rencontre avec la boxe, c'était, moi j'étais petit, j'avais 9 ans, c'était en 1976, lors d'une retransmission des Jeux Olympiques de Montréal, notamment où c'est que j'ai pu observer Sugar et Leonard. C'est ce qui m'a donné un peu l'envie de mettre le pied à l'étrier. Tu as 9 ans. Ensuite, dans quel club tu as évolué? Raconte-nous un peu comment tu as accédé à la pratique. Écoute, j'ai tout de suite aimé la boxe. J'ai surtout aimé les chaussures des boxeurs en étant minot. Et puis de là, j'ai cassé un peu la tête à mon papa qui puisse me conduire dans une salle de boxe. Donc, c'était le Mont Blanc Boxe à Sallanches, pour ma ville natale. Non, tout à fait, Sallanches. Tu as enchaîné donc sur la compétition, Laurent, et puis la boxe éducative, et puis une carrière amateur. Donc, tu as une carrière amateur énorme, 92 combats pour 90 victoires, et avec au bout donc, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Séoul en 88. Si tu peux nous raconter un peu un petit panaché de cette carrière amateur, ce que tu as ressenti, les gens que tu as rencontrés, jusqu'à cette médaille de 88. J'ai été détecté au niveau des championnats de France. À l'époque, il s'est déroulé à Vichy, les boxes cadets, juniors. Bon, je commençais à rentrer dans le rang des amateurs. Et puis, à ce moment-là, j'ai été détecté par les entraîneurs nationaux qui étaient là pour justement faire des recrues. Ça a bien commencé pour moi. Donc, c'est vrai qu'au bout du deuxième tournoi, j'ai été qualifié pour les championnats du monde junior. Se trouvait en République dominicaine. Et que j'ai eu la chance de rentrer avec une médaille. Et là, la compétition pour moi était lancée. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire, Laurent, quels sont, selon toi, les points forts qui ont fait ta boxe, déjà en amateur, les points forts qui faisaient de toi un boxeur différent? D'abord, j'ai eu, je pense, la chance, énormément de chance, d'avoir rencontré un entraîneur qui m'a appris à éviter les coups avant de savoir les donner. Donc, puis il y avait des boxeurs que j'aimais beaucoup, que j'appréciais, puis qui avaient vraiment du style à pas prendre de coups et puis faire vraiment le screen du poing, la touche, et ça j'ai beaucoup aimé. Effectivement, basé sur le travail de l'esquive, du déplacement, donc de pas se faire toucher avant de toucher, c'est un peu ça l'esprit. C'est ça, beaucoup de déplacements et puis essayer de travailler sur la faute de l'adversaire. Exactement. Ensuite, donc, il y a eu donc une carrière professionnelle donc, de 10 ans avec 42 combats pour 38 victoires, 32 par KO. Donc, c'est une carrière très, très riche avec au bout vraiment des titres majeurs mondiaux et européens. Est-ce que tu peux nous faire un petit condensé des meilleurs souvenirs que tu as de ta carrière professionnelle? Quels sont les grands moments que tu retiens? J'ai eu beaucoup de grands moments.
Voilà, j'ai toujours respecté mes adversaires. Chaque fois que je suis monté sur un ring devant un autre boxeur, pour moi, c'était un combat. Un combat. Voilà. Jamais sous-estimé. Après, par la Suisse, bon, on a fait échelon par échelon. Je suis arrivé au niveau européen. J'étais classé challenger. Là, je remporte mon premier titre devant Jean-Claude Fontana, qui pour moi qui me lance dans une aventure qui m'était un peu destinée. Tout à fait. Il y a des questions qui nous arrivent, Laurent, qu'on va découler à petit près, mais c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir aussi avoir l'avis des internautes. Que tu as rencontré aussi des mecs super forts. Tiens, d'ailleurs, il y a Hussein Bérame, un ami à toi, donc qui te salue, champion du monde, le meilleur français de tous les temps, et on est bien d'accord, Hussein, vraiment. Merci à toi d'être là également. Merci beaucoup. Tu as boxé aussi des super boxeurs, donc vraiment Guillermo Jones, Terry Norris, Carl Daniels, Javier Castillejo. Dans tous ces boxeurs, raconte-nous ceux qui t'ont le plus marqué ou les combats les plus durs que tu as faits. Quels sont les adversaires qui vraiment t'ont le plus impressionné? Il reste quand même un sacré souvenir, c'est devant d'avoir battu Vasquez, j'étais très 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 content d'abord, mais après j'ai rencontré ce Guillermo Jones, le Panaméen. Il avait une taille, il était immense quoi. C'était un super bon boxeur et vraiment j'ai souffert pour le battre ce garçon. C'est vraiment, il était solide, il frappait fort, il était grand, il avait un peu tout pour lui, mais bon, j'ai pu me serrer les dents, m'accrocher et puis. Puis je l'ai battu, quoi. Le premier championnat du monde pro que tu gagnes, c'est contre Vasquez, c'est ça, l'Argentin? Ça, tout à fait, C'est ouais. ça. Ouais, c'est Oui, ça. je m'en rappelle. Alors, ce soir-là, est-ce que tu te rappelles un peu comment tu étais avant le combat, avant de monter sur le ring? Est-ce que tu peux nous retranscrire un petit peu tes sensations? J'ai fait, on a fait avec mon entourage, on a fait une grosse, grosse préparation. C'est vrai que je m'étais donné tout le mal nécessaire pour pouvoir décrocher ce titre. Vasquez aurait pu être quelqu'un d'autre. Je crois que ce soir-là, c'était mon soir et je me sentais quand même, avec la grosse préparation que j'ai faite, je me sentais invincible. J'étais sûr de moi, mais bon, c'était quand même Vasquez, sa réputation, la solidité de sa mâchoire. Mais on a fait quand même un grand combat. J'ai été ravi de le battre. Ouais, clairement, clairement, clairement. Et il y en a eu d'autres hein, qu'on va développer. Toi, au niveau européen, c'est vrai que Castillejo aussi, c'était quelqu'un. Il avait fait beaucoup de combats. Il avait plus de 60 combats professionnels aussi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as boxé également? Très grand boxeur. Eh ben, j'ai rencontré Castillejo, c'était parce que j'avais besoin de reconquérir un titre européen qui était parti, notamment pour Bernard Hazano. Et pareil, grosse préparation. Moi, la boxe, j'ai commencé donc petit. Je sais ce qu'il en est. Pareil, j'ai fait une grosse, grosse préparation, sachant que Castillejo est un rude, 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 rude boxeur espagnol. Il aurait pu me donner du fil à retordre, mais vous savez, après, c'est le mental hein, qui joue beaucoup. Et ce soir-là, pareil, quand je le bats, je pense que je suis au-dessus de lui mentalement. Moi, j'étais encore jeune hein, quand tu boxais, mais c'est vrai que j'ai toujours senti chez toi une détermination, l'envie d'aller chercher la victoire. Vraiment, tu ne lâchais rien. C'est vraiment une caractéristique, le psychologique. Je sentais vraiment que tu étais très fort dans la tête, j'ai l'impression. C'est ça, mais pareil, hein, ça fait partie de l'entraînement. Hein, on se prépare, on se forge, on s'endurcit et on prend de l'assurance, quoi. C'est tout ça, comme on appelle ça, c'est le métier qui rentre, quoi. Puis la détermination, c'est vrai que c'est super important. On est tous les boxeurs, on est tous préparés pareil. Seul truc qui fait la différence, c'est le mental, surtout dans les compétitions à haut niveau, comme j'ai participé. On a une question de Seb Gris donc, qui nous dit, Laurent, tu te souviens des séances de sparring que tu as fait avec notre boxeur Picard Jean-Paul Roux? Est-ce que ça te parle, Jean-Paul Roux, avec qui tu as croisé les gants en sparring? Oui, Jean-Paul Roux, oui. Il est venu ici chez moi en Haute-Savoie d'ailleurs. Jean-Paul Roux qui est de Saint-Quentin, je parle bien du même. En Picardie, exactement, c'est bien ça. Tout à fait, Oui, Saint-Quentin dans l'Aisne.
dans l'âme, ouais. Je me souviens de lui, ouais, c'est vrai qu'il était un peu plus âgé que moi, mais je me rappelle, ouais, tout à fait qu'on ait passé des bons moments à l'entraînement ensemble. Un dur mal, ce garçon. Ouais, et ça fait aussi partie de, effectivement, de la progression d'avoir des sparrings de qualité. Laurent, aujourd'hui, d'un point de vue extérieur, en tant qu'ancien, quel regard tu portes aujourd'hui sur le niveau de la boxe tricolore aujourd'hui, donc en France? Écoutez, la boxe tricolore, je souhaite toujours d'en voir de plus en plus jolie. C'est vrai qu'actuellement, avec ce Covid qui rend pas service à tous les sportifs, la boxe, dommage, j'aimerais en voir plus. J'aimerais qu'on soit plus soutenu par les médias, qu'on puisse organiser. Mais ce qui se passe, je pense, à mon avis, on est un peu mélangé avec toutes ces fédérations, ces championnats. Les gens qui aiment la boxe s'y perdent aussi. Même moi, personnellement, je m'y perds aussi. Donc, c'est ce qui sème un peu le trouble, à mon avis, dans la boxe. Je pense. Et c'est vrai que toi, tu viens d'une époque où la boxe était très, très populaire. On la voyait beaucoup à la télé. Il y avait des icônes. Est-ce que ça a aussi périclité un petit peu avec le temps, ce côté un peu magique, un peu fantastique des soirées de boxe? C'est vrai qu'on, ben moi notamment, c'est vrai qu'on a fait des réunions sur TF1. On était suivis, on nous repérait, quoi. C'était génial. C'était génial. Là-bas, les médias suivaient, on leur rendait exactement. C'est pour ça qu'il y avait eu un, et ça enchaînait, quoi. C'était super. C'est ce qu'aujourd'hui nous manque. Dans tes modèles, donc, tu as parlé de Léonard. Est-ce qu'il y a vraiment des gens comme ça qui t'ont inspiré, qui t'ont fasciné? C'est quoi tes modèles, toi, à l'époque? Des boxeurs. Ben moi, je suis un peu de la génération juste avant. Moi, j'aimais beaucoup regarder Agler, Léonard, Roberto Durand, des Simon Brown, des Michael Noon, des Nigel Benn. C'était un peu plus dans ces générations. Et puis, le niveau était très, très haut. Très, très haut. On avait vraiment affaire à des. Quand il y avait un combat dans ce genre-là, je pense que les. Tous les amoureux de la boxe étaient quand même ravis de pouvoir regarder de la belle boxe et des combattants surtout. Et c'est vrai que c'est une génération, tu le dis, où il y avait vraiment des gros, gros combattants. Quand tu gagnes les Jeux, si je dis pas de bêtises, enfin, quand tu fais ta médaille aux Jeux à Séoul, il y a aussi Lennox Lewis à ce moment-là qui est médaille d'or, je Tout crois, en poids lourd. à fait. Ouais. Tout à fait. Roy Jones également. Ouais, Ouais. ben, Lennox Lewis, je l'ai rencontré au championnat du monde junior déjà. C'est vrai que à cette époque-là, enfin, c'était en 83, hein, ça date pas d'hier. Il faisait partie de l'équipe canadienne, Ah, c'est au ouais. départ. Hein. Ouais, il y a des Ray Mercer, voilà, ouais, toutes ces équipes. Bon, écoutez, moi j'ai fait quand même 5 années en équipe nationale. Des tournois, on en a fait un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que souvent on retrouvait des boxeurs italiens, des boxeurs anglais, des boxeurs américains. On se revoyait souvent quand même dans les grosses compétitions. Il y avait un lien. Je voudrais savoir, Laurent, est-ce qu'il y a eu, bien évidemment, alors il y a quelques défaites dans ta carrière, il n'y en a pas beaucoup, il y en a trois en pro et deux en amateur. Est-ce qu'il y a eu sur le ring des déceptions ou des regrets, des moments qui ont été un peu plus difficiles? Vous savez, quand on perd, on n'est jamais très, très content déjà. Mais des regrets, non. Non, non, c'est la boxe, ça fait partie du jeu, un coup on gagne, un coup on perd. Mais après, si on peut se remettre, pouvoir juger les fautes qu'on a faites, qu'on a commises, oui, on essaye de se rattraper, mais bon, voilà, une défaite, ça reste une défaite, hein. La boxe, ça reste un sport, c'est pas une guerre quand même. Ouais, c'est très joliment dit, très joliment dit. On approche de la fin de l'interview, Laurent. On voudrait savoir, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens et qu'est-ce que tu as fait donc après ta carrière quand tu as raccroché les gants? Qu'est-ce qui s'est passé pour Laurent Boudouani? Ben, au départ, voilà, je me suis retiré donc des rings, je me suis marié, j'ai commencé à avoir des enfants et j'ai acheté une petite affaire sur Sallanches, d'où j'ai travaillé pendant quelques années.
Et bon, après, je sais pas si vous avez appris, j'ai perdu mon frère Robert, que j'avais besoin de passer le plus de temps possible avec lui, donc ce qui m'a motivé à me débarrasser de mon affaire. Et puis voilà, donc je l'ai vendu. Puis aujourd'hui, je travaille dans une société de sécurité et je m'y sens bien. Et puis voilà, mon petit bonhomme de chemin, ma vie d'homme continue. Est-ce que tu gardes quand même un lien avec la boxe, le club, les galas? Est-ce que tu es connecté ou tu as vraiment tourné cette page-là? J'essaie de rester connecté par rapport aux gens que je connais, mais bon, après, c'est vrai que c'est un peu d'un peu plus loin. Mais bon, je suis quand il y a l'opportunité de voir une réunion de boxe ou pouvoir m'y rendre, tout simplement, je fais tout pour pouvoir y aller. Comprends. Une dernière question, Laurent. S'il y avait un boxeur français que tu aimes particulièrement ou que tu mettrais en avant, ce serait qui aujourd'hui? MBA, Oui, tout à fait. que j'aime bien son style de boxe. C'est un boxeur efficace qui, à mon sens, progresse et bah, qu'il a l'avenir devant lui. Effectivement, de grosses qualités, hein, aussi des grosses qualités mentales que tu as évoquées, une grosse frappe, une grosse envie. C'est vrai que c'est un super boxeur, vraiment. Laurent, je voudrais vraiment te remercier pour le temps que tu as pris, déjà te féliciter et te remercier pour la carrière que tu as fait. Vraiment, tu nous as fait rêver comme pas possible pendant toutes ces années. Et vraiment, merci beaucoup du temps que tu as pris pour partager ces mots avec nous. Moi, je ne t'avais pas revu depuis toutes ces années, donc je suis vraiment très, très honoré de partager ce temps avec toi, vraiment. Plaisir partagé. Vraiment. Et je Et vais te laisser le mot de la fin si tu veux dire un petit mot aux gens qui nous ont suivis, à tous nos spectateurs. écoutez, je vous remercie d'avoir pu nous écouter un petit moment. Je suis ravi. Et puis, vive la boxe. Et vite qu'on retourne à l'entraînement. Et puis voilà. Que cette maladie s'échappe vite, vite, vite. Et qu'on puisse revenir un peu dans le sport. Exactement, et qu'on revive à ces moments de gala, de fête, effectivement, comme Voilà. on le faisait avant. Super. Laurent, vraiment, je te remercie pour le temps que tu as passé avec nous. C'est un immense honneur, vraiment beaucoup de respect. C'est une légende, vraiment, comme le dit Greg, qui est un grand fan également de Laurent, je le sais. Donc, vraiment, merci à toi pour ce temps et je te souhaite une très, très bonne continuation pour la suite. Je te remercie. Merci à toi et merci à tous d'avoir suivi ce live. Bonne soirée. À bientôt.